bonjour, ça y est, le jour J est arrivé, je suis à l'aéroport avec plein de super surprises, je viens d'arriver. Alors je savais pas que j'avais droit qu'un seul bagage, je pensais que c'était un long courrier, que j'avais droit à deux bagages. Ben non, j'ai pris qu'un seul bagage, j'avais pas prévu, j'ai ramené une carte de crédit qui a décidé de pas marcher. J'avais pas d'espèces sur moi et je me voyais perdre mon billet, perdre l'avion et ne pas y aller. Et bon, ben, j'ai essayé de faire ce que je sais faire de mieux. J'ai géré mon cerveau en me disant non, tout va bien aller. Where there is a will, there is a way all the time. Tu verras que les choses vont se mettre en place tranquillement. Donc voilà, j'ai été gérée comme j'ai pu. Et puis la magie s'est opérée. On m'a dit il va falloir payer le billet. Je dis c'est super, le bagage, je veux bien, mais j'ai pas d'argent. Ma carte de crédit ne marche pas. Et j'ai pas prévu. Des dirhams pour la route parce que je vais aux États-Unis. Et là, un miracle se produit. Je rencontre des gens fantastiques, notamment un monsieur Joseph qui me fait « Mais qu'est-ce que vous avez comme problème ?» Et je lui explique dans quel contexte je vais aux États-Unis. Il m'a dit « Écoutez, même si je dois le payer de ma poche, c'est pas grave, vous allez y aller, vous allez monter sur cet avion. » Et je pense que ne pas perdre son sang-froid quand les choses dérapent, c'est la clé la plus importante. J'aurais pu m'énerver, paniquer, me dire « Mon Dieu, comment je vais faire ?» Je me suis fait déposer à l'aéroport, je peux même pas poser ma voiture dans la voiture qui est restée, dans le coffre qui est resté dans le parking. Non, pas du tout. Mais j'ai gardé le sourire. Je me suis surtout vue partir dans cet avion, quoi qu'il arrive. Et voilà, première aventure avant de quitter. Ça m'a obligée à me dire, oula, j'ai pas mis d'intention. Alors, mon intention pendant ce voyage fantastique que je vais faire aux États-Unis, il est très simple. Quoi qu'il arrive, j'ai décidé que tout allait super bien se passer et que je mets mon intention que je déploierai de l'énergie positive, quelle que soit la difficulté que je risque de rencontrer, et que toujours, que ça se solde, Inch'Allah, bi'idhnillah, avec quelque chose de très positif. C'est mon intention pour ce voyage. C'était Nahid Rachid depuis l'aéroport. Hada huwa, Allah yahfoukoum, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de l'océan.